Bon Dieu béni le matin, moi sentiment content pour nous capables d'aborder nouvelle semaine ça. Nous disons bon Dieu merci qui permet de nous te gagner un très bon week-end. Donc matin, moi j'ai un coq là qui est vraiment présent avec moi, qui a prié avec moi. Donc il va là qui m'a mis même matin. Donc, même qui est habitué à prier avec nous déjà, on connaît un coq chaque matin qui est toujours là pour mettre voile aussi dans la prière. On dit bon Dieu merci pour bonne semaine, ça a déjà accordé. Non? Donc, on croit que bon Dieu a une provision pour nous encore au cours de cette semaine. Même je dis habitué à une provision pour nous dans chaque semaine qui passait. Ses amis, ont ses frères, adorateurs, Bertin d'Orvillemar qui est avec vous encore. Absolument, un très bon lundi dans la présence, mon Dieu. Une très bonne semaine dans la prière. Que le Seigneur peut faire provision de toutes sortes, provision de toute qualité pour la vie, moi, pour la vie où, pour la vie de chaque qui devant trône dans ma terre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ça, c'est parole, bon Dieu. T'es bas avec Jérémie. Ou t'es assuré Jérémie. T'es fait connaître que yo capable toujours faire la guerre. Mais bon Dieu fait la promesse que yo pas vaincre. Parce que c'est l'Éternel même qui est avec lui pour délivrer. Ils te feront la guerre. En termes, je veux dire que, en tant que chrétien, la guerre, pour toi, la guerre est inévitable. La guerre est inévitable pour le chrétien. En tant que chrétien, il est impossible pour que, ou pas dans la bataille. D'ailleurs, vous faites en dans la bataille là. Ou faites pour mener bataille là. Donc si vous sentez vous dans un combat chaque jour, n'a pas dit inévitable parce que en tant que chrétien, on va toujours dans une bataille, on va toujours dans un combat. Peut-être pour dans bataille ou dans un combat, on pose cette question pour qui ça me toujours dans bataille. Pour qui ça me toujours dans combat. Matin m'a vinn di pour le chrétien le bataille la bataille le combat est inévitable et c'est ça que fait matin on a demandé bon Dieu grâce on a demandé bon Dieu grâce pour nous mener bataille là on a demandé bon Dieu grâce pour nous camper même le bataille là beaucoup plus sanglant. Je prie ça me d'avre nous faire ma terre. Est-ce qu'on veut demander bon Dieu grâce dans la bataille où il y a? Dans le combat on mené, est-ce qu'on veut demander bon Dieu grâce? On a le côté Seigneur. Papa, nous venons devant toi pour nous dire merci. Merci parce que vous permettez nous dormir, nous lever. Et nous en présence sous ma terre. Oh, Jean, on t'a dit avec Jérémie, ils te feront la guerre. Donc, on est bataille, nous, en tant que chrétiens, l'inévitable. Parce que nous avons adversaires qui veulent présenter chaque jour sous différentes formes dans la bataille là. Puisque la bataille là, l'inévitable, ils veulent redoubler nous de force, matin.
Redoublez-nous de grâce. Redoublez-nous, Seigneur, de puissance, que nous sommes capables de continuer à prendre toutes les âmes. On dit dans Éphésiens chapitre 6 là, nous sommes capables de résister, parce que victoire c'est pour nous que lié. Nous, chaque qui est devant notre trône matin, nous avons un type de bataille. Nous avons une forme de bataille, une forme de combat qui est différente de l'autre. Peut-être façon bataille pas nous présenter, c'est pas comme ça bataille l'autre l'a présenté. Ça qui certain c'est que nous chaque nous avons une bataille. Nous chaque nous avons un combat, ceci de manière quotidienne. Nous demandons grâce matin pour nous mener bataille là. Nous demandons grâce matin pour nous camper ferme, pour ne pas baisser les armes, pour nous rester ferme Seigneur dans le combat ça. Parce que il est certain que victoire nous assure. Il est certain que depuis à la croix, nous avons une victoire déjà. Non seulement pour nous camper, Seigneur, en de vrais soldats, en de vrais guerriers. Et victoire nous est certaine. Papa, quel que soit le type de combat que nous avons pour nous mener pendant la journée, ça, nous avons assurance que nous n'avons toujours plus que vainqueur au nom de Jésus. Quel que soit la forme adversaire capable pour attaquer pendant la journée, ça. Nous avons assurance que nous plus que vainqueurs déjà au nom de Jésus. Continue à nos victoires. Continue à nos victoires, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon Dieu béni, Dieu béni, journée. Permette que nous passions très bon lundi. Fais cœur content parce qu'il va continuer à marcher de victoire en victoire. À continuer à marcher de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus. Bonne journée et bon lundi. C'est désormais au frère adorateur Berthe Dorfinard. Au revoir.